Hey, 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 mes planteurs préférés, mon nom est Jonathan Sutherland. Aujourd'hui, j'avais envie de te présenter une vidéo un peu simple, des plantes faciles d'entretien, faciles à trouver et abordables. On n'a pas besoin de briser le petit cochon pour pouvoir se procurer ces plantes-là. Pour te présenter les plantes, je vais te transporter à travers des catégories, donc des familles de plantes, philodendron, Oya et tout ça. Puis je vais vous présenter 2-3 plantes qui sont faciles d'entretien, qui sont faciles à trouver et qu'en plus de ça, ils sont pas chers. Avant toute chose, si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, plante-toi pas! Puis abonne-toi tout de suite, juste en dessous, tu cliques sur le bouton subscribe ou abonnement et tu seras abonné à ma chaîne YouTube. N'oublie surtout pas de sonner les petites cloches et tu seras notifié dès qu'un nouveau vidéo sera en ligne. C'est-tu pas beautiful? Pis t'sais, si le cœur t'en dit, tu peux me laisser un petit pouce en l'air juste en dessous. Ça m'aide beaucoup à ma chaîne YouTube. Et en commentaire juste en dessous, laisse-moi savoir quelle est ta famille de plantes préférée à la maison. Sans plus tarder, on va commencer avec la première catégorie et j'ai nommé les Skindapsus. Je sais que je vous montre pas souvent les Skindapsus dans ma collection. Je sais pas pourquoi, je vous les montre jamais, mais ce sont des plantes fabuleuses. Ici, j'ai un Skindapsus argyreus, je crois bien. Les noms, hein, je destroy toujours ça. Donc voilà, le feuillage. Il est pas mal long. Donc comme on peut voir juste ici, c'est une plante qui est prolifique. Qu'elle grandit rapidement. Mes conseils d'entretien pour faire pousser un beau spécimen comme ça, c'est de l'arroser un peu plus fréquemment, je crois, que votre épipremnum, donc pothos à la maison. C'est une plante que je laisse pas totalement sécher, sinon elle me fait plein de feuilles jaunes. Donc, je sais pas pour vous à la maison, si vous en avez une, si c'est le même cas que moi. J'ai acheté cette plante chez Evasia il y a environ 7 ou 8 mois à 29,99 pour le panier suspendu ici. Et ce que je suis vraiment surpris, c'est que j'avais jamais réussi à faire vraiment vivre un Skindapsus comme ça longtemps. Et celui-là, je pensais le perdre à un certain moment, il me faisait juste des feuilles jaunes, je comprenais pas trop. Et j'ai remarqué que c'est vraiment l'arrosage qui est la clé. Donc on peut voir là, tout ça ici, puis j'en passe, ok? Tout ça ici, c'est probablement nouveau sur ma plante depuis que je l'ai. Donc c'est vraiment une plante prolifique. Puis elle a aussi des nouvelles tiges qui commencent à pousser à travers. Donc, plante formidable, facile d'entretien, facile à trouver. Vous pouvez la retrouver dans plusieurs centres de jardin. Voilà, c'était mon Skindapsus argyreus. Le dernier Skindapsus de la catégorie, c'est... Tadam! C'est le Skindapsus pictus exotica. Si on regarde, le feuillage est géant sur le mien. C'est une plante formidable. J'ai eu beaucoup moins de problèmes avec ce spécimen-là que mon autre spécimen. Donc, je ne sais pas si c'est dû au fait que le feuillage est un petit peu plus épais, je crois, sur celle-ci. Puis, on peut aussi voir que le feuillage est gros. Je ne sais pas si ça a un impact, mais regardez-moi le feuillage. Donc, si vous cherchez, en plus de ça, un feuillage qui est unique, qui a des patterns de silver dedans, c'est vraiment une plante que vous devez vous procurer. J'ai payé cette plante-là, si je me trompe pas, une quarantaine de dollars au centre de jardin Brossard. Je crois ce printemps, au début du printemps, elle se développe très rapidement. Skindapsus pictus exotica! La deuxième catégorie de famille de plantes que je veux te présenter aujourd'hui, ce sont les Hoya. Comme vous savez, j'ai eu environ 200 spécimens de Hoya différents. J'ai été overwhelmed. J'ai perdu pas mal de Hoya. J'ai vendu beaucoup de Hoya. Là, je recommence ma collection tranquillement, pas vite. J'ai redécouvert mon amour pour les Hoya. Tout simplement... parce que je les aime, j'aime le fait que les fleurs sont toutes différentes,
les couleurs, les odeurs, les formes de feuillage, les couleurs du feuillage. Fallait bien que j'en parle et que je vous montre certains spécimens dans ce vidéo-ci. Le premier spécimen que je veux vous montrer, c'est le Hoya Carnosa. Donc celui-là, c'est le basic vert que vous pouvez retrouver partout, 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 partout. Donc on peut voir, c'est vraiment un super beau Hoya. Bien simple d'entretien, très facile. On arrose une fois que le terreau est sec. Et bingo, elle va pousser rapidement. Je crois que j'ai acheté cette plante-là 7$ au centre de jardin Granby, si je me trompe pas. Puis j'ai mis deux boutures dedans. Puis tout ça là, tout ce qui dépasse ici, c'est tout nouveau. Puis ça fait peut-être un mois que je l'ai. Donc c'est vraiment, vraiment une plante qui grandit rapidement. Là, j'ai d'autres spécimens de Carnosa, mais ça, je garde ça pour une autre vidéo parce que j'ai un projet pour eux. Sincèrement, si tu es débutant et que tu veux commencer dans les Hoya, ça là, c'est ton guy. Tu as besoin d'un Hoya Carnosa pour commencer. Tu vas voir, tu vas adorer ce spécimen. Le dernier spécimen que je vais te montrer de cette famille de plantes, c'est le Hoya Pubicalyx. Donc, les Pubicalyx, je crois que c'est général, elles sont toutes faciles d'entretien. Je vous ai montré dans mon dernier vidéo le Hoya Pubicalyx Hawaiian Purple. Donc, je vais vous le montrer encore. C'est un gros format ici. J'ai acheté cette plante-là, j'ai payé une quarantaine de dollars pour le gros pot au Serre Saint-Élie. Donc, quand que les nouvelles feuilles arrivent, elles sont mauves comme ça, puis elles deviennent vertes avec le temps. C'est un super beau spécimen, ça pousse en fou. Ça fait, c'est ça, environ 3 semaines, 1 mois que j'ai ce spécimen-là. Puis il m'a donné environ déjà une bonne trentaine de feuilles. C'est vraiment, vraiment, vraiment un Hoya très facile d'entretien. On arrose quand le terreau est sec. Bingo! On lui donne une bonne luminosité, donc bright indirect light. Mais on peut aller un petit peu plus à la luminosité que, mettons, un philodendron. Ça, c'est le premier que je voulais vous montrer. Et mon deuxième spécimen, c'est juste pour le plaisir des yeux, mais il pousse aussi très, très rapidement. Celui-là, je me l'étais procuré au Botanix Fauché, si je ne me trompe pas, à la prairie. On peut voir à quel point le feuillage, il est magnifique. Le feuillage est très silver. Donc, on l'appelle aussi un Hoya Pubicalyx Splash, mais Splash n'est pas une description officielle, hein? Donc faut pas oublier ça. Donc voilà, ça c'est mon spécimen à moi. Je l'adore, j'ai aussi un projet pour ces deux spécimens-là qui s'en vient sur ma chaîne YouTube éventuellement. Mais on peut voir là, c'est un Hoya qui pousse tellement vite, puis il est très impressionnant. Je l'adore. La prochaine catégorie de plantes, ce sont les épipremnums ou ceux qu'on appelle les bons vieux pothos. Les épipremnums ou les pothos, si tu le veux bien, c'est une famille de plantes qui se retrouve pas mal dans tous les domiciles. C'est une plante qui ne coûte pas une fortune de règle générale et qui est facile d'entretien et prolifique. On a bien sûr dans la famille des épipremnums beaucoup, 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 beaucoup de spécimens différents. Et le premier que je veux vous montrer, c'est... Tadam! C'est un épipremnum Global Green ou Global Green Pothos, si vous voulez bien. Donc voilà, ça ressemble à ça. C'est vraiment une très belle plante. On peut voir ici le feuillage qui est panaché, variegated. D'un vert foncé à un vert un peu plus pâle, un peu plus lime. Et c'est une plante qui pousse, ma foi, tellement rapidement. C'est une plante qui a été commercialisée par Costa Farms. Quand je vous dis que vous ne brisez pas le cochon pour en acheter une, vous avez qu'à aller chez Rona ou Renault Dépôt, vous allez en trouver une pour 30$. Donc, c'est vraiment, vraiment une super plante. Puis, elle n'a pas besoin d'entretien de grosse luminosité. Donc, on peut la mettre même quasiment à l'ombre. Puis, moi, la mienne, elle pousse, elle pousse, elle pousse et elle n'arrête plus. Donc, voilà. Épipremnum Global Green. La deuxième plante dans la catégorie des épipremnums, on a le Pothos Cebublu ou le épipremnum Cebublu. C'est une plante qui est native des Philippines, dans la région de Cebu. Ça ici, c'est un spécimen que je me suis procuré
de la famille sœur de Costa Farms. C'est une plante là qui est faite tough. Donc elle est très très facile d'entretien. Vous pouvez la propager tellement facilement. Il suffit d'avoir un nœud. J'ai cette plante depuis la fin de l'hiver. Puis j'ai propagé déjà cette plante là. J'ai fait environ 80 boutures. Puis elle était un peu plus petite que ça quand je l'ai achetée. Ça fait donc une plante qui est magnifique. Que vous pouvez aussi faire grimper. Donc si vous la faites grimper, elle va faire des fenestrations et des feuilles beaucoup plus grosses et matures. Ou vous pouvez la laisser aussi suspendue comme ça. Moi, j'aime beaucoup le look suspendu, mais éventuellement, je veux en faire grimper une juste pour voir à quel point qu'elle mature. C'est une plante que je me suis procurée pour 17$. Je sais que il y a beaucoup d'endroits qui vendent des gros gros formats pour des 200-300$. Par contre, c'est certain que vous pouvez trouver des boutures de ça à moins de 50$. Vous pouvez trouver des boutures peut-être avec 5-6 feuilles pour même pas une dizaine de dollars. Donc, vous allez pouvoir trouver facilement cette plante-là. Je ne pouvais pas conclure cette catégorie-là sans présenter mon Epipremnum albo. Donc, je crois que c'est Epipremnum pinnatum albo ou quelque chose comme ça. On peut voir le feuillage, il est magnifique. Je pense que on l'appelle aussi la version cheap du Monstera albo. Donc, c'est vraiment magnifique. Pourquoi que c'est comme la version cheap du Monstera albo? Tout simplement parce que cette plante-là, vous pouvez la retrouver pour 2-3 feuilles pour environ 25-30$ en ce moment. C'est vraiment pas une plante qui est dispendieuse du tout. Puis en maturant, cette plante-là développe des fenestrations. C'est certain qu'elle n'a pas le même, la même forme qu'une Monstera, mais par contre, ça y ressemble drôlement. Donc ça va être un peu plus un feuillage étroit et fenestré, mais ça reste tout de même une superbe plante que vous devriez avoir dans votre collection. La prochaine famille de plantes, c'est probablement l'une des plus populaires dans vos demeures et c'est la famille des philodendrons. Le premier philodendron que je veux présenter, je voulais vous en présenter un qui trail, donc qui est un panier suspendu. Voilà, donc ça c'est un de mes nombreux philodendrons Mikans. On peut voir le feuillage est velvety, donc qui est velouté. Et le derrière de la feuille est plutôt rouge. C'est très glam comme plante, j'adore cette plante-là. C'est une plante tellement facile d'entretien, facile à bouturer. Puis on peut en trouver vraiment partout de nos jours. Je me suis procuré un spécimen chez Evasia il y a environ peut-être quelques mois. J'ai payé, je crois, 10$. Puis j'ai reçu aussi un géant panier suspendu de ma mère pour ma fête qui était environ une 60aine de dollars. Donc là, c'est sûr qu'on parle d'une plante qui était vraiment géante, mais ça reste quand même très abordable. On peut trouver probablement maintenant une plante peut-être de cette grosseur-là, une 30aine de dollars. Si on recherche comme il faut, on peut trouver cette plante-là pour vraiment pas cher. Puis c'est vraiment une plante facile d'entretien, sincèrement. Moi, je laisse sécher presque tout le terreau. Comparativement à mes autres plantes qui trail comme ça, je la laisse pas trop sécher parce que j'ai remarqué que les feuilles deviennent un peu plus jaunes facilement. Un signe que vous êtes vraiment dû pour arroser cette plante-là, c'est que le feuillage va s'arrondir comme ça. Donc, il va se refermer sur lui-même. Vous allez voir, elle vous fait des signes quand elle a soif. Le deuxième philodendron dans la catégorie des philodendrons, c'est le philodendron splendide. Donc, qui est un mélange entre philodendron verrucosum et mélanocrysum, si je ne me trompe pas. On peut voir, regardez-moi ça, le feuillage. Ça, c'est encore un feuillage velouté. On peut voir ici le feuillage. Quand il arrive, il est comme rouge, orangé. C'est vraiment beau. Là ici, ça, c'est une de mes gaffes. Elle a eu trop de lumière, donc elle a brûlé un petit peu. Mais c'est vraiment une plante très facile d'entretien. On peut retrouver cette hybride-là pas mal facilement. Je peux vous dire que j'en vois passer tout le temps. J'en vois passer à comme peut-être une 40aine de dollars pour un bon 2-3 feuilles de cette plante-là. Donc, ouvrez les yeux si jamais vous voyez cette plante-là. Sautez dessus.
Elle vit à température ambiante, puis elle m'a l'air pas mal heureuse. Là, c'est certain que moi, je l'ai mis sur une pôle en bambou pour le moment. Et j'essaie de la propager juste ici en mettant un petit baggy plein de sphagnum moss humide. Donc, on va pouvoir la couper pour être sûr qu'elle redevienne un peu plus belle que ça. Mais c'est un philodendron très facile et il ne brisera pas la banque. Le dernier philodendron que je vous présente, c'est un philodendron Silver Sword. On peut voir là, c'est juste une plante qui est trop magnifique. Le feuillage mature de cette plante-là, il est imposant, il est gros. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Ça ressemble un peu plus à la forme de cette feuille-là juste ici et non de ceux-là. Mais ici, j'ai deux plantes que je m'étais achetées, que j'ai plantées ensemble. Puis on peut voir qu'on a des racines un peu partout. Je sais pas pourquoi cette plante-là, elle était très, très à la mode et recherchée dans le temps qu'elle n'était pas facile à trouver. Puis là, maintenant qu'elle est facile à trouver, je vois personne posséder cette plante-là. Donc, je trouve ça assez étrange. Mais on peut en trouver en bas de 40$ facilement. Moi, j'ai acheté mes spécimens chez Evasia. J'avais payé peut-être 30 ou 40$ pour un gros spécimen. Donc, c'est pas cher payé pour une plante aussi belle que ça. On peut voir, il a une teinte un peu plus argentée. De là, le nom Silver Sword. Puis on peut voir vraiment la forme un peu plus de l'épée. Donc, c'est vraiment beau. C'est une plante qui pousse assez rapidement. C'est pas le philodendron le plus rapide que j'ai, mais c'est vraiment loin d'être le plus lent. Donc voilà, philodendron Silver Sword. C'était tout pour mon vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as aimé ça. J'espère que tu as laissé un petit pouce en l'air pour m'encourager. N'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. On se revoit dans la prochaine vidéo. Bye bye!